Voilà, un kill, oh pas mal, joueur français. Oh putain mon pote, qu'est-ce qui t'arrive toi? Oh. Ok, la grenade était bien placée. Oh dans mon cul. Oh le tank il me cover. Ok les gars, on est chaud. Ok. Concorde est-il le FPS qui peut faire tomber Overwatch? Il est vendu comme un concurrent directement d'Overwatch directement sur PlayStation et sur PC. La bêta est ouverte tout le week-end. Et là je vais te dévoiler mes premières games en vidéo. Après en tout cas, sache qu'on va y rejouer durant mes streams Twitch à 32, si tu n'hésites pas à nous y rejoindre. Dis-moi en tout cas si le jeu tu vas le prendre. Si t'aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, me dire si pour toi il a un gros potentiel. Et c'est parti pour les games, bonne vidéo. On est parti in-game sur Concorde, donc voilà. 5 minutes sur c'est juste tester le jeu pour les paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on a de disponible? Rix, éliminez vos ennemis dans un mode. Ok, donc là c'est un mode juste match par équipe. Ensuite, présumé pour capturer des demandes d'objectifs. Ok, rivalité, jouer, le but. Ok, il faut juste monter le level. Let's go. Bah, on va tester Rix. Le Rix. Ouais, Rix. Rix, Rix. C'est dur à dire ça, Rix. C'est très dur. In-game, let's go. Ça, j'adore. Élimination. Champ stellaire. T'arrives en vaisseau. Une équipe rivale nous défie. Emina pour l'emporter. Ok. Ok, ok, let's go. Donc ouais, en résumé, c'est des équipes qui se défient tous. J'ai l'impression que si j'ai bien compris le lore, c'est genre des chasseurs dans l'espace et chacun a un peu ses missions quoi. Et on atterrit. Bouh. Alors, ce que je vois, est-ce qu'on peut changer de personnage comme on veut, comme sur Overwatch, ou est-ce que c'est comme Valorant, tu t'es bloqué à un passage au début? Choix du free gunner. On a quoi? Compositionnement rapide, vous baissez la meilleure rapidité, charge supplémentaire sur le mur de feu, ok. Oh, je panique, il y a trop de perso. Ah, c'est soutien ça? On va prendre le mec basique. Faut passer le touche, les gars. Ok. Oh, il est assez beau quand même le jeu. Ah, bon, je crois qu'il est pas en totalement full qualité, mon jeu, parce qu'il a. Et mon PC a un peu du mal. Ok. C'est quoi ça, fumigène, ok. Grenade, ok. C'est vraiment le soldat 76. Oh putain. Voilà, un kill, oh pas mal, joueur français. Oh putain mon pote, qu'est-ce qui t'arrive toi? Oh. Ok, la grenade était bien placée. Oh dans mon cul. Oh le tank il me cover. Ok les gars, on est chaud. Ok. Ça c'est stylé en vrai. Oula, faut changer. Fumi, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Ok, faut changer encore une touche, les gars. C'est pas grave. En fait, tu peux pas changer d'arme avec le 2. T'as pas un principal, un secondaire. Oh, ouais, il grave, le mec il grave. C'est quoi ça? Ok, la grenade qui touche. En fait, je suis une machine de guerre sur ce jeu. Ok, ciao. J'aime bien, ça touche bien en vrai. Hein. Ok, la smoke. Y'a un wall qui a été mis. Ok, y a du stuff wall. Faut connaître les stuff, ça putain. Ok, elle met des wall. Recharge après. Ah, ok. Faire un kill pour pouvoir recharger sa grenade. Ok. Attends, c'est savoir. Oh non! Bien joué! Eh hey. On touche en vrai. Hein. Ah, notre honneur. Vas-y, on va tester la meuf là. Allez, allez, on y va. Vas-y, on va tester. Donc, ça, ce qui paraît, je fais plus de dégâts quand je fais des roulades. Ok, elle a une sorte de petit Uzi. Salut son bras. Elle a pas de seconde arme, ça fait quoi ça? Je sais pas. Ok, ça a touché ça? Ah ouais, tu roules à dégâts! Oh, ce perso, je vais kiffer! Ah! Ils étaient trop nombreux! Ok, ce perso, je crois que je vais kiffer. Oh, c'est stylé en vrai, t'es une mec qui est tellement différente. Dans le sens qu'il fait une roulade pour faire plus de dégâts, c'est bien ça. Oh, on va même éviter quoi, je veux dire. C'est pas les gars, c'est pas éviter, mais. Oh, le tank il a des trigos à jouer sauf le gros tank. Ok, j'aime bien pour le moment, les gars. Vous m'attendez pas à ça comme gameplay. Après, c'est vraiment Ditchmatch là donc on peut pas trop tester mode de jeu un peu stylé, mais. Il faut quand même des balles pour tuer un mec. Hein. Y'a un mec qui est invisible. Ok. Faut jouer à quoi sur ce boule, genre se débouche, je sais pas ce que la serve.
Y'a moyen de voir le stuff du personnage? C'est pas grave. Je crois que c'était un heal là. Ah. Faut que je regarde l'esprit des personnages. Sinon, hein. on va jouer le soldat Call of. Hein. Oh, t'es dingue, qui a l'air de me perdre, toi. C'est la classe, ce chapeau. Ok. Oh, ça touche, ça fait mal ça! Tu vois si je fais ça? Ah, c'est. Non, c'est le mec qui. C'est pas moi. Le Jazz a un dégât. Il y a des packs de heal comme ça. Après, t'imagines un peu plus réactif le jeu. Ok, mec, il dash. Et ça va être un temps, je pense. Ok. Vraiment, j'aime bien savoir ce qu'à quoi sert cette boule. J'ai pas compris, elle. Hein. Stun de dash en tout cas est stylé hein. Ah mais c'est un clone quand je dash. Ah mais c'est une truc de TP, ok c'est comme son bras. Tu peux TP sur ta boule avec la A. Ok c'est bon les gars. En fait c'est beaucoup de gens si tu peux TP dessus. C'est son bras. Let's go. Score le plus élevé. Oh c'est satisfaisant en vrai. Ok. Lui je peux peut-être. Alors lui en résumé c'est la. Lennox a la compétence de Cassidy. En résumé, quand je vais faire une roulade, une esquive, ça va recharger mon arme. Oh il est stylé. Pas de débordement, pas d'erreur. Oh c'est vraiment casse. Il a un couteau. Le couteau qui tue. Ok. Il a un heal, ok. Alors, y'a qu'une map, le ref. Oh, je vais aimer ce perso. Il a un style assez stylé en vrai. Hein. Alors, je sais pas quel flingue est bon à quel moment. La raison qu'il est beaucoup plus corps à corps que lui. Je prends du plaisir moi là. Oh putain. Ok. Hey, beau gosse. Un petit peu de heal. Attention maintenant, soigne-toi. Notre pote a mis d'un smoke, ok. Si ça vous suit. Il est très lent sur ce perso. Ok le wall est bien en vrai. J'ai trop pétance. Ok. Wouah. Ok, il faut quand même que les esquives. Les esquives sont trop importantes. En vrai. On va tenter ça. Et on fait les tests. Vous bénéficiez d'un bonus pendant que votre courte durée lors d'une esquive. Vous bénéficiez un bonus d'un. Ok. C'est quoi ça? Ok, c'est un pompe. Ça, ok, tu dégommes des ennemis. Tu peux courir avec, ok. Oh là là. Le pont va vraiment toucher sa fin. Le pont va faire son job. Ah putain, c'est une action, il faut que je prenne des. Il faut que je mec, il faut récupérer la plaque moi aussi. Je pense pas. Ok, il y a un wall. Bon, je suis vraiment pas classe lourde. Je pense que ça prend des jouets, mais j'aime pas, c'est trop lent. Ok, arme sympa. Orbe dégâts, je pense. Ça, c'est l'orbe de soin. Ok, c'est orbe de soin, les gars. J'ai une sulfateuse. Ok.
Elle a mis une mine sur le mur. Oh la grognasse. Bon, on va rentrer dans Call of. À mon signal. Oh la mine sur le mur. Oh, je m'y attendais pas. Ok, on peut détruire les shields, ok. Une hygiène déployée. La petite smoke et un rush, j'adore. On peut tracer le wall des alliés, c'est cool ça. Trompé de roulade. Je viens de mourir. Faut jamais trop pote la roulade avant derrière. Oh, je fais une game, elle est compliquée là. Le style est pas top du jeu, sauf. Voilà. Fumigène lancé. Oh, c'est un sniper ça, non? Je me soigne, je fais mes arrières. J'ai fait une. Ok, Tricky, t'es bon. Fumigène déployé. Ok, alors on va un peu jouer mode de jeu aussi. C'est un sniper ça. Ah, bien joué. J'aime bien, y'a un sniper, attendez. Je vois que c'est ici, sniper. Ok, on est encore en tête pour le moment. Petite grenade. Et on recule, ok. Oh, je peux aller back un peu. Voilà, ça on l'emmène. La grenade, elle est bien placée ou pas? On va voir. Écran de fumée déployé. J'installe une zone sûre ici. Ok. Je suis blessé. Oh, merci le sauvetage. Oh putain. Et t'as ton nombre de grenades par rapport à ton nombre de kills, je crois. Ça, c'est stylé, hein. Ok, y'a du bruit à gauche. Fumigène déployé. Oh, ce que je t'ai mis. Grenade à droite, grenade à gauche, hop, je te chope. Je déplace le dôme. Ok, moi c'est une grenade. Ah, bien joué, j'aurais dû faire une roulade avant. La voyez, roulade avant, t'as bien, j'aurais rush sorti de la zone de feu. Il faut vraiment que j'aime les roulades. Averti elle. Fais bien gaffe. Ah, elle est invisible. Ok, putain, c'est pas invisible. Du jeu. EMP. Le MP. Aveuglement, ok, c'est une flash. Déploiement d'un piège de détection. C'est le perso invisible, je pense que c'est un passif pour devenir invisible. Ok, c'est le perso invisible du jeu. Ok. Il y a une mécanique sympa à prendre chaque perso, c'est cool, chaque perso a cette mécanique assez cool. Putain, que les bâtards. C'est quoi ça? Écran de fumée déployé. Ok, vas-y, vole mon pote, vas-y, on dira rien.
Wow, jamais le corps à corps. Wouah. Ok. Note à moi-même, ne jamais le corps à corps contre les bo- contre les tanks. Oh, il m'a explosé. Ok. Pas que je meurs les gars. Faut faire un kill sinon. Ah je vais choc. Ah non ils ont gagné. Ah non je suis la mort. Ah, ah dommage. Oh c'était sérieux ouais. Bon et bien Concorde a un mood assez cool. Alors beaucoup disent c'est un concurrent de base de Overwatch. Ok, les mécaniques, c'est parce qu'il faut penser tête et tout. Mais je trouve que c'est plus un gameplay qu'on peut avoir par exemple dans un Call of Duty, je trouve, avec domination et tout. Plus un mode Alex Défiant, ça va être un concurrent Alex Défiant, je trouve, plutôt qu'un Overwatch. Car oui, il y a des compétences. Mais franchement, le gameplay est vraiment beaucoup plus lent. Et c'est pas trop pareil. À voir s'il y a un truc où tu pousses un peu du payload après plus tard à débloquer. Tu débloques un nouveau niveau 6. Mais le jeu est assez satisfaisant. Beaucoup de classes à apprendre, beaucoup de trucs à comprendre aussi. Hâte de pouvoir beaucoup y jouer. Dis-moi si tu l'as essayé. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour d'autres vidéos.